On va vous demander de prendre la parole. On va vous donner la parole. Enfin, il faudra un moment prendre la parole. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire vous-même. On a écrit une lettre. On l'a fait signer par des gens d'ici. Je ne sais pas si vous l'avez signée, mais enfin, vous allez voir. Enfin, ah, s'il y en a qui ont des questions à poser. On a écrit d'où on était, du même groupe. Il y a ici des gens qui ont des idées un peu hautes, qui disent que ça n'intéresse pas. Moi, je voudrais rajouter quelque chose pour les gens motivés qui restent. On s'adresse à vous de la même façon. Si vous pensez à des actions qui peuvent être faites par vous-même, vous nous dites. Alors, vous avez ça, si vous avez des idées sur des actions, venez nous voir. Et on vous aidera à les organiser. Maintenant, je vais poser une question. Levez la main si tu peux. Je me tire moi une balle, et après, il y a un petit désolateur à côté de la tente, il y a un désolateur, je tire dessus, ça appuie, et j'éclate, et après, je me reconstitue. Bah, ils ont une arme avec laquelle ils peuvent me tuer, en fait, je suis comme un immortel, quoi. Bah, je prédis, par exemple, jusqu'à 120 ans, et alors, je mourrai tout seul. Bah, je serai pas tué avec des fusils, non, rien. Chez nous, on meurt de la maladie, on devient tout vieux, mais nous, on demeure toujours tout jeune, hein. Si, par exemple, on était bourreaux, célèbres, on demeure par exemple jusqu'à 121 ans, et alors on meurt. Comme toi. Ha ha ha!